Salut, salut et bienvenue dans le premier vlog de 2023. Alors, ce ne sera pas le vlog le plus joyeux de la planète, je pense. On va essayer de faire le négatif maintenant et essayer que ça passe après. J'avais dit pas de vlog parce que il y a Shadow, il y a Silver qui joue dans sa boîte à jouer. J'avais dit pas de vlog parce que je suis vraiment au plus mal. Et finalement je tiens pas sans vous. Voilà, vous me manquez trop. Donc j'ai décidé de quand même faire un vlog. Il sera pas forcément très long. Il sera pas forcément très joyeux, mais il sera là. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour vous aujourd'hui c'est le premier, donc je vous souhaite déjà une bonne année. Je vous redirai encore avant de clôturer, bien évidemment. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, la santé, l'amour, l'amitié, tout le meilleur, quoi. Comme on peut souhaiter à la bonne année à sa famille, ben, je vous souhaite tout pareil à vous. Alors, pourquoi j'ai pas ouvert ce vlog? J'ai passé le pire réveillon de ma vie, enfin les pires fêtes de ma vie. Ça a commencé le 23 jusqu'à encore hier et aujourd'hui ça va pas forcément super bien non plus. Alors je vais pas rentrer dans les détails, ça reste quand même, ça fait quand même partie de ma vie privée, mais il y a eu une grosse dispute avec chérie. On a carrément parlé divorce et tout. Hier on a enfin eu une petite conversation pour essayer d'arranger les choses. Bon, sauf que moi j'ai un monsieur qui ne sait ni exprimer ses sentiments ni mettre des mots sur ses paroles, sur ses pensées, donc c'est extrêmement compliqué de communiquer avec lui. Là il s'est un peu plus livré, donc voilà, je suis toujours franchement j'ai fait un bond en arrière dans ma dépression. Je suis encore pire qu'après le décès de mon père. Je suis vraiment très 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 mal. J'ai pas envie de rester bloqué sur ce sentiment parce que ça va accentuer forcément la dépression, hein, faut être logique. Et j'aime pas. J'ai eu vraiment un Noël pourri. J'ai déjà tout enlevé. J'ai enlevé toute la déco le 26. Voilà, 26 au matin. J'ai tout enlevé. Donc il y a eu la dispute avec chérie. Il y a eu des histoires de famille forcément au réveillon. Plus sévères que d'habitude. Ça me concernait pas moi directement, mais voilà, j'aime pas qu'on touche à mes frères ou à ma famille, vous le savez. Bref. Et après, il y a eu des bisbrouilles avec Enzo aussi. Ça a été très loin aussi. Donc voilà, j'ai vraiment eu le cumul mari, famille, fils, quoi. Heureusement que j'ai mon Georges, moi je vous le dis. Hein. Georges est d'un soutien incroyable. Donc je vais vous résumer. J'ai noté hein, quand même un peu tous les jours parce que je me suis dit si je vlogue pas, bah, comme ça je pourrais vous expliquer un peu ce qui s'est passé tous les jours. Donc le jeudi, puisque j'avais clôturé le vlog le jeudi la dernière fois, j'ai fait mes vidéos, mon montage, j'ai trié tous les calendriers. De l'avant, j'ai fait mon recourbement de cils et j'ai rechangé mes ongles pour finalement pour Noël parce que, comme je vous l'avais dit quand on a fait le live, les petits trucs en relief ça m'a stressé, j'ai commencé à les arracher. Le vendredi, j'ai tourné le Disney Challenge, j'ai fait ma colo pour mes sourcils et c'est là que la crise a commencé. Silver, il a encore une feuille accrochée à son truc. Samedi, toujours la crise, j'ai été chercher Riley, je vais vous la présenter juste après. On a fait le réveillon, on est rentré à 4h30 du matin. Mais j'ai dormi 2h grâce à Riley qui est en train de bouffer mon carton, juste à mes pieds. Le dimanche, je me suis réveillée à 5h30 du matin avec à cause de la migraine. C'est le mal, la douleur qui m'a réveillée et j'avais la nausée. Et j'avais le soir mon beau-frère et ma belle-sœur qui venaient manger une raclette pour Noël. Mais là, j'ai mon petit frère qui me dit, écoute, on peut passer parce que ma mère avait oublié son téléphone chez mon frère le soir du réveillon. Donc, il est venu le récupérer ici, tout un bordel, quoi. Et du coup, ils sont arrivés en même temps puisque mon frère est arrivé une demi-heure en retard et mon beau-frère une demi-heure à l'avance. Donc, du coup, on a pris l'apéro tous ensemble et bah, ça m'a fait du bien parce que j'étais vraiment au plus mal. Et mon petit frère, le plus jeune, hein, a vraiment réussi à... J'ai même pris un fou rire grâce à lui, tellement il a fait le con. Il se foutait de mes petites décos, les petits gugus de Noël que j'ai fait, les petits gnomes, là. Il a appelé ça un sgeg de Noël, et il disait que c'était le sgeg du Père Noël, et puis après, il nous a fait un délire avec ça, et ça m'a vraiment fait du bien. Mais du coup, suite à ça, il y a eu la prise de tête avec Enzo.
Donc lundi, j'ai mon frère, le plus grand des deux, qui est passé pour qu'on parle de tous les problèmes réunis. Hein. Voilà, lui de son côté avec ma mère qui a gâché la réunion, moi avec monsieur et Enzo. J'ai ma belle-sœur qui a dû repasser puisque les petits ont oublié leur doudou la veille à la maison, donc elle a dû venir les rechercher. Finalement, j'en ai eu marre de toutes ces histoires. J'ai viré le sapin, les décos, j'ai changé mon fond. J'ai mis le fond d'hiver. Donc, la dernière vidéo, le 31, que je vais essayer de tourner aujourd'hui, sera avec déjà le fond d'hiver. Mais bon, on est dans le thème, donc c'est pas très grave. Et hier, j'ai DJ qui est parti, qui est passé, qui a craqué sur le chien, bien évidemment. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec une de mes pelotes de laine. Non, mais tu vas où là? Tu vas où là? Tu te prends pour qui là, Mistinguette? Prends tes doudous. Donc DJ est passé. J'ai reçu ma commande Chine avec le short et le pull de Georges. Il est tout content avec son short canin. Et j'ai aussi mes bottines, je vous montrerai ça tantôt demain. Et j'ai préparé les lots des concours puisque le concours est terminé, les gagnantes ont été averties. J'en ai une des deux qui m'a déjà répondu, donc maintenant j'attends la réponse de la deuxième personne pour les faire partir. Bah, vous les voyez, ils sont là. Voilà, c'est les deux lots. Donc j'espère qu'elle va me répondre aujourd'hui, que je puisse les faire partir demain. Et donc le samedi, on a été chercher Riley, que je vais essayer de vous présenter. Maintenant elle se barre. Viens. Viens. Et voilà maman. Et voilà Riley, la nouvelle petite pépette de la famille. Qui aurait été un mal, j'aurais pu l'appeler divorce ou problème, puisque c'est à cause de ça que ça a pété avec monsieur au départ. Voilà. Mais donc voilà, j'ai été la chercher. Je suis tombée sur une annonce par hasard, vraiment par hasard, je suis coincée, de cette petite chienne. Ils étaient à trois sur la photo et j'avais craqué sur les trois, il y avait un mâle et deux femelles. Et non, pas mon pompon, pas mon pompon. Et du coup, j'ai été la chercher le 24. Donc, c'est un cocker croisé Beagle. Et elle est juste exceptionnelle. Elle est adorable. J'avais du mal à faire mon choix quand je suis arrivée. Il restait les deux femelles, justement. L'autre était toute noire avec une tache blanche sur le nez, sur le menton et sur la poitrine. Non, pas mes pompons. Je plante les pompons. Et celle-ci, quand je l'ai prise dans les bras, elle m'a fait la fête directe, des bisous, des gâtés, elle remuait la queue et tout. Et voilà. Gâtée à sa maman. Voilà. Gâtée à sa maman. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est adorable. Elle est déjà quasi propre. Franchement, voilà. Elle est réconfortante. Donc voilà, une nouvelle fifille dans la famille, enfin, j'ai envie de dire. Alors certes, elle ne remplacera pas Lilou, mais j'espère qu'elle restera avec moi aussi longtemps que Lilou et que Démone. Hein? Mais elle est vraiment adorable, elle est pleine d'amour et tout ça. Alors, il y en a qui vont me demander comment ça se passe avec Ryan. Ryan en a peur. Voilà. Ouais, tu fais pas peur, Ryan. Non, pas lécher. Ah, ça, on lèche pas. C'est caca de lécher. Ouais, Ryan en a peur. Maintenant, il commence à s'habituer un peu à elle quand même, à ce qu'elle passe près de lui. Il commence à essayer quand même de jouer un petit peu avec elle et tout. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Hein. Ryan, c'est un bon gros bébé, tout sympathique. Donc, je m'inquiète pas vraiment avec lui pour la suite. Donc, voilà pour mon réveillon. J'espère franchement que le vôtre a été meilleur que ça parce que ça a été une horreur. Une horreur. J'ai pleuré non-stop du 23 au 26, même encore hier d'ailleurs. Je pleurais encore hier. Hier, j'avais plus de mal parce que j'avais vraiment l'impression de plus avoir d'émotions et plus de larmes dans mon corps. Mais j'ai quand même des larmes qui sont montées. Mais du 23 au 26, ça a été un enfer. Mais vraiment un enfer. Moi qui j'adore Noël, j'attends Noël toute l'année. Justement pour l'esprit amour, partage, famille et tout ça. Et voilà quoi. Donc j'espère franchement que pour vous, ça a été beaucoup mieux. Donc il faudra que je vous montre le fond d'hiver et je vous montrerai mes bottines. Je reçois une autre commande Chine aujourd'hui, celle que j'avais passée avant, les bottines. Donc, je vous montrerai tout ça en même temps. Je ne sais pas si je vais réussir à vous prendre tout le temps, enfin tous les jours. Ce sera peut-être un vlog de 15 minutes, mais il aura le mérite d'être là.
Parce que je sais que, comme j'ai annoncé qu'il n'y aurait pas de vlog et que ça n'allait pas fort sur Insta, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Donc merci à vous, parce que vous êtes adorables. Et c'est adorable de voir le retour. Sans curiosité, sans arrière-pensée ou quoi, vous êtes tous venus me dire que si j'avais besoin de parler, vous étiez là, que vous pensiez à moi, que je me repose. Voilà, c'est adorable, ça m'a vraiment touché. Donc je me suis dit, même si je fais un mini vlog de 15 minutes, au moins il sera là et vous verrez que oui, ça va pas fort, mais que. Eh, t'es chiante, hein? Et va jouer dans ton panier avec tes joujoux. Ah, je lui ai fait des doudous. Erika, je te montre. Attends, je sais pas où il est. Je sais pas où elle l'a mis. Attends, je vais chercher l'autre. Ah bah, elle me l'a amené. Elle vient de me le déposer au pied, l'autre. Regarde Erika, c'est le tissu que tu m'as donné. Je lui ai fait un petit joujou encore. Comme d'abord, elle l'a déjà un petit peu débrouillé. Hein. Bon, après, il suffit que je resserre un peu. Donc, voilà. Et elle adore jouer avec. Oui, moi qui voulais faire un peu de couture pour me changer les idées, j'y arrive même pas tellement je suis flagade. Alors, en cadeau de Noël, j'ai eu... La part de mon beau-frère et de ma belle-sœur, j'ai eu le tout petit aspirateur, j'allais dire, faire à repasser pour faire les ourlets. Il fait beaucoup de vapeur, il n'y a que trois trucs, c'est vraiment un rikiki. J'ai eu un coffret de la part de mon frère et de ma belle-sœur, la petite robe noire de Guerlain. Le coffret est magnifique. J'ai eu un autre coffret de la part de ma mère. Et c'est tout. Ah, et Edji m'a offert une nouvelle tasse. Voilà. Mais... Là, je vais encore avoir le 31, je vais avoir celui de mes beaux-parents et de ma belle-sœur aussi. Il y a Silver qui est en train de jouer, là, juste à côté de moi, dans la cage. Ah, mon petit bossu. Oh, que c'était mon petit bossu. Oh, oui. Elle vient de se fracasser la tête sur la table. Oui, je vais venir te mettre dans le divan. Oui, elle ne s'est pas montée dans le divan encore. Donc, écoutez, moi, je vous prends après... ou demain, je sais pas, franchement je dis rien, je sais pas si je vais devoir le clôturer comme ça. Bon, je clôturerai pas sans vous dire au revoir et bonne année, ça c'est un fait. Même si ça va pas, je prendrai 10 minutes sur moi pour ça, mais je sais pas du tout comment on va se coupier ce vlog, ce premier vlog qui est vraiment pour avant. Il risque d'être tout coupé. En même temps, il y a déjà 2 jours en moins de vlog, donc ça fait déjà beaucoup. Mais je sais pas. Franchement, on verra comment ça se passe. Je me force pas si j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton. Je préfère vous prendre moins longtemps, mais de meilleure façon que juste être là. Et j'ai pas envie non plus de rentrer dans les détails de ma vie privée, parce que c'est comme on dit, la vie privée. Mais voilà, ça a juste été un réveillon pourri. J'ai déjà peur pour mon vélo. Et voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 11h43. Je viens de finir de filmer 2 vidéos. Ça m'a fait du bien. Ah, je vous ai pas montré que j'avais mis les boucles d'oreilles que Marise m'a envoyé. Celle-ci à l'envers, je viens de voir. Donc, j'ai mis... mais j'arrive pas à tourner. J'ai mis ce gros bambi-là, ici. J'ai mis celui qui est entier, ici, au-dessus, à l'hélix. Pas, je vois pas dans quel sens il est. Attendez, je zoome. Je vois peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, une fois un peu mal, ils sont un peu gros pour l'hélix. Celui-ci est bien. Il fait vraiment très joli. Mais enfin. Et j'ai remis un bambi entier ici. Tac focus, il veut pas là aujourd'hui. Je voulais mettre, parce qu'il y en avait un, juste la tête avec les bois et des strass sur les bois. Je l'avais mis à l'hélix d'abord et ici. Mais les strass, je m'accroche dedans en fait. Donc, elle est en train de jouer. Elle joue avec son rat, qui est aussi gros qu'elle.
Je l'ai prise avec pour filmer. Elle a dormi, mais alors je lui ai mis un petit panier. Et elle a dormi sur un tas de linge. En fait, j'avais ma caisse avec mes chutes de tissu et dedans, j'avais remis un peu de linge que je dois ranger. Elle a été virée et elle s'est couchée dans la caisse où il y a les chutes de tissu. Voilà. Donc, j'ai filmé un peu. Je vous garantis pas que les vidéos soient très ambiancées. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai reçu ma petite commande chine. Alors, dedans, il y a deux perruques que je ne vous montre pas puisqu'on va bientôt avoir le crash test des perruques. Je vais vous dire quand d'ailleurs. Vendredi. Voilà, je vous l'ai fait pour vendredi. Mais j'avais deux, trois petits trucs en plus, dont mes bottines que j'ai oublié d'aller chercher. Mais ça, c'était en deux commandes, puisque j'avais oublié le short de Georges. Bref. Donc, je me suis d'abord, pour les frais de port gratuits, je me suis pris le fond de teint comme ça, Complexion Pro, de chez Stiglam. Et je ne sais pas s'il a été reformulé, ils ont changé de packaging. Mais je sais pas, je crois pas qu'il a été reformulé, je crois que c'est juste le packaging qui change. Je me suis pris deux fois deux mitaines, donc il y a deux fois les noirs dedans. Je vais en mettre un dans le swap de Manon, voilà, une paire de noirs. Moi, j'ai pas besoin de deux noirs, quoique. Je sais pas si c'est vraiment les mêmes. Mais je voulais des mitaines pour pouvoir garder ici en bas, parce que moi, celles que je fais en fourrure ne sont pas adaptées à faire quelque chose vraiment avec, à part pour sortir de chez vous. Et je voulais absolument noir, gris et blanc. Et ils ne vendaient pas les trois couleurs. Mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin des mitaines dessus. Donc là, vous avez noir. Et vous savez quoi? Je vais en mettre une paire tout de suite. Parce que j'ai les mains gelées. J'ai tout le temps les mains gelées. Donc je me suis dit, je ne peux pas vivre avec des gants à l'intérieur. Mais les mitaines, on peut. Et ça me réchauffera au moins, pas les doigts, mais au moins les mains. Donc voilà. Écoutez. Je mets l'autre. Je cherche le trou. Ça va dans quel sens la mettre. Il n'y a pas de trou. Ah si, il est là. Ouais, j'ai froid. Et encore là, je ne suis pas emmitouflée. Hein. J'ai juste remis mon piou-piou par-dessus mon top tellement j'avais froid. Mais d'habitude, je suis plus emmitouflée que ça. Hein. Voilà. Et il y a donc, avec la blanche aussi. Donc, je vous mets les liens de ça en barre d'infos, le fond de teint aussi, si jamais. Donc, je laisse les noirs emballés pour Manon. Donc, voilà, c'est exactement le même modèle, sauf que c'est blanc, noir et gris. Et je suis contente. Et j'ai pris un truc que je savais pas, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, hein, mais ça m'a fait rire. C'est des pinceaux bisounours. Voilà, Manon, elle a le miroir. Et voilà, ça me rappelle mon enfance. La pochette est trop mignonne, quoi. C'est un petit bisounours, c'est celui avec l'arc-en-ciel. J'adore. Moi, j'avais le brun en peluche, j'avais le brun avec les deux petits cœurs, et mon frère, je crois que c'est celui-là qu'il avait avec l'arc-en-ciel. Ah non, ou celui avec le nuage. Ouais, mon frère, il avait le bleu avec le nuage. Mais c'est toute mon enfance, le bisounours. Et dedans, il y a cinq pinceaux, et je les ai trouvés sympas. Donc, je me suis dit, allez, hop, prends. Et puis ça peut toujours faire une jolie petite déco, ou un petit cadeau. Alors, vous avez un goupillon et côté biseauté. J'arrive pas à le sortir. Ils sont tous emballés dans un plastique. Voilà. Avec les petits bisounours dessus, quoi. Vous vous rendez pas compte, c'est les bisounours. Il y a un pinceau estompeur. Ils sont vraiment très jolis. Bon, estompeur, c'est même un pinceau boule plutôt. On a un pinceau biseauté pour le ras de cils. Enfin, moi, j'utilise pour le ras de cils ou le coin interne. Oui, elle pleure en jouant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais c'est normal. Un pinceau plat, bien évidemment, qui est assez fluffy en même temps. Et un pinceau plat plus court, qui est très bien pour mettre les fards à paupières en coin interne. Avec le vert, c'est celui qui avait le trèfle. Yep. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis contente avec ça. Je suis contente. J'ai rien de plus à dire sur, à part je suis contente. Je vais vous chercher les bottines. Je suis là. Oui, quand elle ne me voit plus, elle gueule.
Donc elles arrivent dans une boîte et emballées chacune dans un pochon comme ça. Alors quand on voit la bottine, on se dit waouh, c'est super lourd. Chut, Riley, tais-toi. Et en fait non, elles sont toutes légères, mais elles sont canons. Et on est super bien dedans et elles sont super légères. Hein. Franchement, c'est de la gomme à la semelle, donc c'est pas lourd. Et je pense qu'elles tiendront plus longtemps que les noses. Hein. Je suis dégoûtée hein, pour les noses. Parce qu'elles font un peu plus habillées, vu que c'est une semelle moins crantée, on va dire. Les chaînes, c'est du plastique, donc c'est pas lourd non plus. Et vous avez le zip pour les enfiler. Et franchement, je les ai enfilées tout de suite et on est hyper, hyper, hyper à l'aise. Je suis vraiment, vraiment contente pour le prix que je les ai payés. Donc voilà, et j'ai reçu donc les deux dernières perruques. Il faut que j'arrête maintenant d'en commander parce que j'en ai beaucoup trop. Hein. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Là, je vais dérocher, manger, aller me piloter. Ça, c'est typique des beagles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je crois qu'elle veut descendre. Pourquoi tu pleures? Tu veux de pipi? Tu viens de rentrer. Si tu veux. Elle va se coucher à mes pieds dans son panier. Il faut qu'elle me... Donc voilà, écoutez, demain, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire ou ce qu'on va pouvoir faire, mais... Voilà, je ne tiens pas finalement sans parler avec vous. Il fallait que je fasse quand même un mini-vlog, même s'il n'est pas très intéressant et pas très joyeux. J'ai un fil de mon gilet. J'avais besoin de quand même parler avec vous. Parce que comme je viens de dire aux filles, faire les vidéos et les vlogs et tout ça, c'est ce qui me fait le plus de bien. C'est la seule chose qui me fait vraiment du bien. Donc faut que je filme quoi, ça sert à rien que je me prive de ce qui me fait du bien et rester dans mon mal-être. Donc voilà, ça m'a fait du bien de filmer aujourd'hui les vidéos et d'avoir ouvert ce vlog, même si je sais pas ce qu'il va donner, je sais pas la longueur qu'il va faire, mais au moins vous en aurez un, c'est mieux que rien. Voilà, donc ensuite je joue. Alors il est 9h17, je viens d'aller tourner cette vidéo qui est pour vous lundi je crois. Je vais déjà vous donner le planning parce que je ne sais plus où j'en suis. Donc lundi, bilan des calendriers, ça n'a rien à voir. Mercredi, le swatch and make-up de cette palette. Là je vais aller tourner pour la vidéo de vendredi qui est le round 2 du crash test perruque. Ouais. Dimanche donc le vlog et... probablement dans la semaine ou la semaine d'après, il y aura un unboxing et crash test de Focalure, vu qu'ils m'ont renvoyé un colis. J'attends la réception, j'attends aussi un autre partenariat bijoux cette fois-ci, que j'aimerais bien regrouper dans la vidéo. J'attends. Et j'ai toujours pas de nouvelles pour mon calendrier essence. Après, j'ai regardé ce matin le unboxing du calendrier sur la chaîne de Manon, puisqu'elle le fait tous les ans. Et il m'intéresse vraiment pas au final, donc je pense que je vais me mettre de côté pour le faire gagner fin d'année de l'année prochaine. Et voilà, puisque bon, ça sera le calendrier de l'année d'avant, mais ceux qui l'ont pas pris, ben, ça leur fera peut-être plaisir. Voilà. Donc, ah oui, hier j'ai oublié de vous montrer, du coup j'ai reçu mon colis de la poste, et j'ai reçu également, mon colis Chine, j'ai dit n'importe quoi. Je suis fatiguée, Riley m'a laissé dormir 3h30 cette nuit. Et je me suis commandé un kit de vernis sur Amazon. À la base, j'ai pris parce qu'il y avait le noir. Donc, c'est de la marque Blue Sky. Je ne connais pas du tout. Vous avez 3 x 5 ml dedans. Vous le recevez dans un petit coffret comme ça, avec les capsules sur les bouteilles pour voir. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pris le noir. Et en plus, il y a deux pailletés avec qui ont l'air vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Je vais peut-être allumer la loupiote. Sinon, vous n'allez pas bien voir. Ça fait mal la tête. Donc là, comment se présentent les bouteilles. C'est juste le temps que je puisse refaire une commande Ongle 24 pour me reprendre le black de chez Ongle 24. Ou passer chez Peggy Sage ou je sais pas. Parce
que 5 ml de noir chez moi, ça dure pas hyper longtemps. Mais voilà, les flacons sont très jolis. Alors, j'ai pas regardé le pinceau ni la viscosité. Mais ça a l'air pas mal. Donc, on verra. Écoutez, je pense que je vais refaire mes ongles ce soir pour me changer les idées. Et donc, c'est la teinte... Là, il y a juste un numéro, c'est marqué 80518. Mais ici, sur le coffret, il y a les teintes Blue Sky, Gold Run. Non, Blue Sky Gel Polish. Alors, ça doit être Gold Run, Galaxy... Je sais pas, on ne sait même pas bien écrit. Il n'y a pas les teintes qui sont notées ailleurs. Mais bon, on s'en fout du nom de la teinte, voilà. Et donc les deux autres sont exactement pareils, mais voyez, vous avez au-dessus le petit capuchon, la petite pastille sur les capuchons pour voir les teintes. Ça, j'adore. Il n'y avait que Neo Nails qui faisait ça avant. Et celui-ci, alors c'est un avec des petites paillettes vertes. Tout bénef. Il y a Silver qui est là qui attend que je le sorte. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, ça a l'air super beau. Je pense vraiment que je vais me faire un nail art juste avec ça ce soir pour me changer les idées. Ça me fera du bien. J'aime bien faire mes ongles. Et l'autre, oh là là, il y a encore plus de paillettes vertes dedans. Pourtant, au-dessus, on dirait qu'il y en a moins. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de tester. Donc voilà, je pense que je vais faire ça ce soir. Comme ça, je peux vous donner un retour directement demain. Je vous mets le kit en barre d'infos. Et je me suis commandé aussi un nouveau kit de piercing parce que j'ai dû enlever les boucles d'oreilles que Marie m'a offert, les Bambi. Elles me faisaient beaucoup trop mal les oreilles. Je sais pas pourquoi, je supporte vraiment pas celle avec les mouches derrière et tout ça. Il faut vraiment que ça soit délabré, soit avec des boules. Et comme par exemple ici, j'ai l'hélix qui est assez sensible encore, suivant le piercing que j'ai. Là, comme il y a des strass, il me fait un peu mal quand je peux... En fait, c'est l'oreille sur laquelle je dors, donc quand je dors dessus, les strass peuvent me... S'il est mal mis, ça me fait mal. Donc, je me suis repris toujours sur Amazon. Attendez, je vais prendre mes mails. Shadow, il y a Silver qui écoute ce que je dis. Il y a combien de piercings exactement? Donc, je vais les recevoir demain, donc je vous les montrerai demain, on regardera ça ensemble. Il y a 12 pièces pour 16,20€. Et il y a dedans 6 anneaux et 6 labrets. Donc voilà, je pense que je mettrai un anneau de chaque côté au trou extérieur, enfin externe, et un labret à l'intérieur, puisque moi mes trous sont mal faits, donc il faut que je jongle. Et comme ça, je vais pouvoir mettre un anneau à l'hélix ici, ça sera beaucoup moins douloureux qu'avec des diamants, quoi. Je sais plus ce que je dis. Ou un labret, je sais pas encore, je vais voir. Faut vraiment que je vois les modèles et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Là, je suis toujours sur les esprits criminels. J'en suis à la saison 6, épisode 19, donc j'ai bientôt fini la saison 6. Qu'est-ce que tu fais? Il est pas net ce petit machin. J'ai Sky qui est j'ai Sky. Riley qui est épuisante aujourd'hui. Elle dort bien profondément, mais je vais monter pour les filmer. Elle va foutre le bordel. Je l'ai prise avec en haut, elle foutait le bordel dans le bureau. Après, on est descendu. Elle a voulu aller sur le divan, je l'ai mise sur le divan, mais comme j'étais plus loin, elle a commencé à gueuler pour que je la descende. Enfin, voilà, elle supporte vraiment pas quand je suis loin d'elle. Là, elle dort bien profondément, mais je sais que si je bouge, elle va se réveiller direct. Je vais essayer, si elle pleure, je viendrai la rechercher pour filmer avec moi. Et voilà, donc moi j'allais filmer la vidéo des perruques. J'ai vraiment hâte de les tester. Et voilà. Mais là je commence vraiment à fatiguer, donc il ne faut pas que je traîne pour le faire, parce que sinon après j'aurais plus la force. Après bon, c'est la vidéo de vendredi, donc même si je ne tourne pas aujourd'hui, à la limite c'est pas très grave, mais comme il est tôt, je me dis c'est le moment, que j'attends pas de colis. Et comme ça, j'ai toutes mes vidéos de la semaine prochaine, sauf le unboxing Focalure, puisque là, je dois attendre le paquet de toute façon, et que j'arrive pas à avoir de suivi. C'est un truc de fou. Et j'attends aussi Glisten. Ah oui, ça, j'avais oublié de vous dire. Je me suis commandé finalement, parce qu'ils l'ont remis
en stock la palette Glisten avec Fairy Freak, puisque j'adore ce qu'elle fait et que j'adore Glisten, et la collab me tentait bien. Je l'avais pas acheté la première fois parce que je me suis dit t'en as assez et tout, mais au final je les utilise quand même beaucoup, hein. J'en ai beaucoup avec des trous à l'intérieur, donc je me la suis recommandée. Voilà. J'ai pris le kit complet avec les pinceaux, parce que les pinceaux c'est ceux que j'utilise le plus aussi. Hier j'ai fait une commande swap, deux produits pour le swap pour Manon. Il me reste encore quelques produits, je vais vous dire, tiens. On va essayer de se les échanger quand on se voit pour mon anniversaire le 11 février. Sauf si limite on arriverait vraiment à se les échanger avant, si on les finit avant et qu'on se voit avant. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5 produits à commander. Et après je serai tranquille, enfin commander ou acheter. Après j'aurai terminé, donc voilà, je suis contente, comme ça on va pouvoir vite s'échanger ça, et j'ai hâte. Donc je pense qu'on fera un swap Saint-Valentin. Sinon moi j'avais rien d'autre à vous dire. Il y a un chichou qui fout doré, j'ai l'impression, mais je sais pas où ils sont forts dans un panier. À mon avis ils sont en train de bouffer le panier, et les zizi sont en train de se... Non, se friter encore. J'aimerais bien faire un peu de couture aussi, mais je suis crevée, donc c'est pas évident. Je suis tellement pas dans mon assiette là qu'en ce moment j'ai pas envie de grand chose. Donc je me force un peu à filmer parce que je sais que ça me fait du bien. Bon, la couture ça me fait du bien aussi, hein, mais ça me change moins les idées, parce que oui je me concentre sur la pièce que je suis en train de faire, mais en même temps je suis plongée dans mes pensées quand je suis en train de coudre, puisque je regarde pas la télé en même temps ou des choses comme ça. Là je vais faire mes ongles et là par contre j'écoute en même temps des vidéos, donc forcément ça me change vraiment les idées, quoi. Il faudrait que je dise à monsieur aussi qu'il faut aller me chercher mes cachets. J'ai plus d'acide folique et j'ai bientôt tombé à court de vitamine D. Donc ça, il faudrait qu'il aille. Et ah oui, j'ai préparé les lots du concours. J'ai imprimé les étiquettes ce matin puisque la deuxième personne n'avait pas vu le mail. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il était passé dans les spams ou quoi. Donc je lui ai envoyé un petit message sur Insta pour qu'elle voie. Donc j'ai eu les deux adresses. Donc du coup, comme je me suis levée à 4h30 ce matin, j'ai eu le temps de préparer les deux étiquettes. Et du coup, monsieur les a pris avec au boulot pour les déposer quand il rentre. S'il rentre avant la fermeture du point relais, hein, parce que en ce moment, il bosse beaucoup. Donc voilà, là j'ai hâte de recevoir les piercings. Le partenariat bijoux aussi. Le partenariat focalure aussi, donc à faire. Et ouais, il me manque Glisten. Moi en commande, et puis Amazon. Et puis bon, Beauty Bay, mais ça c'est pas pour moi. Beauty Bay, oui. Oui, c'est Beauty Bay. J'avais peur d'avoir craché le morceau, mais non. Il y a tellement de choses sur Beauty Bay qu'elle peut pas deviner ce que j'ai commandé. Il y a déjà des petites promos d'ailleurs, si vous allez voir. Là j'ai acheté un article que je voulais absolument lui mettre à moins 40%. Donc voilà. Sinon, ouais, j'ai absolument rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, mais. J'attends aussi que mes décos de Noël dégagent, parce qu'elles sont toujours là. Moi j'ai tout recoupé là sur le coin de la table, mais elles sont toujours là sur le coin de la table. Donc voilà. Moi j'avais filmé avant d'être vraiment naze. Je pense que j'irai tout à la sieste aujourd'hui pour récupérer au maximum. Parce qu'elle a des heures où elle dort plus profondément et plus longtemps que d'autres. Et en fin de matinée, en principe, elle dort bien. Là elle dort. Bien, puisqu'elle écoute même pas ce que je dis. Donc, là, elle a pas arrêté de pleurer. Je sais pas pourquoi. Dès qu'elle me voyait plus, elle pleurait. Si j'étais trop loin d'elle, elle pleurait. Donc ça, c'est fatigant. Hein. Les chiots. On sait à quoi s'attendre quand on en prend, hein, mais ça fatigue quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle grandisse un peu pour avoir un peu la paix de ce côté-là. Après, elle sera pas de colle, mais bon, une fois qu'elle sera montée les escaliers et les descentes, tout ça, ça sera aussi déjà un peu moins chiant. Parce que là je vais monter, je vais la laisser dormir, mais une fois qu'elle va comprendre que je suis plus là, elle va commencer à couiner, je vais devoir redescendre la chercher. Donc voilà.
Alors, ce matin, elle n'a pas voulu sortir parce qu'il faisait mauvais, madame. Elle commence comme Ryan. Ryan aussi, hein, s'il fait dégueu, il sort pas, mais bon, lui, il fait pas pipi à l'intérieur, du coup. Elle est toute mignonne dans son panier. Et si je suis à mon bureau, elle est couchée là dans son panier. Je suis rarement dans le canapé, donc hier, elle dormait sur monsieur dans le canapé. Elle a dormi un peu sur Sam aussi, qui l'a surveillée tant que j'étais à la douche. Parce que là, je peux pas la prendre avec sous la douche quand même, faut pas déconner. Donc j'y reste avec elle, sinon elle va gueuler tout le temps que je suis à la douche. Donc elles sont endormies sur lui. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, moi je pense qu'on va déjà switcher deux jours. Je vous avais prévenu que le vlog serait pas passionnant ni très long. Bon, après, on est déjà sur deux jours, je suis quand même déjà une bonne grosse demi-heure, donc ça compense un peu. C'est sûr qu'il ne fera pas deux heures comme le dernier vlog, mais ça, il ne faut pas rêver. De toute façon, c'est rare que j'ai des vlogs qui font cette durée-là. Mais demain, j'aurai juste les piercings à vous montrer et clôturer. Donc, voilà, il ne sera pas très long, quoi. Bon, allez, sur ce, bon, sauf s'il se passerait quelque chose, mais ce qui m'étonnerait, parce que moi, je vais roupiller. Je vais quand même attendre l'heure du facteur pour être sûr, hein. Mais je vais roupiller, principalement roupiller, je crois, aujourd'hui. Refaire maison, donc je vous montrerai ça demain. Et voilà, donc là, on suit le jour. Alors, il est 9h05, je viens de tourner ce make-up, qui est une palette look avec la Martine. J'ai Riley qui fout le bordel, bien évidemment. Donc, je vais vous montrer après en détail un peu mon fond. J'ai oublié de vous montrer mes éclairages. J'ai oublié de vous montrer mon fond d'hiver. Je vais vous montrer ça en détail au téléphone juste après. J'attends mes piercings, donc je vous reprendrai en bas une fois que le facteur sera passé, comme ça, en espérant qu'il arrive bien ce matin et pas dans l'après-midi. Comme ça, on pourra changer les piercings ensemble. Parce que ça me fait plus en plus mal. Je ne sais pas pourquoi. Je vais pouvoir bien désinfecter. Je pense que je me suis endormie avec le truc de travers et que ça a fait mal mon oreille. J'ai fait mes ongles hier, du coup, avec le kit Amazon et oh my god. Alors, le noir, il est top, mais alors les paillettes, je sais pas si vous allez voir les reflets. Ouais, je crois que vous les voyez bien. C'est magnifique. Il y a plein de reflets à l'intérieur. C'est vraiment trop beau. Oh, ça me fatigue. Mais arrête de jouer avec ça. Non, lâche. Vraiment, je range mon bureau. J'avais autre chose à vous dire, mais je sais plus quoi. Mes ongles font. Elle fait bouger mon trépied, bordel. Donc les piercings. Je ne sais plus. Bah, de toute façon, je vous reprendrai en bas pour vous montrer les piercings. Donc si j'avais autre chose à vous dire, je l'ai noté en bas. Mais elle me bouffe le pied, quoi. Elle n'est pas croyable. Elle dormait jusqu'à maintenant. Elle dormait. J'ai dit, cool, je vais la prendre. Je vais la foutre sur son panier ici pour filmer tranquille. Elle est déchaînée depuis que j'ai pensé cette phrase-là. Mais alors, quand je vous dis déchaînée, c'est déchaînée. Et elle est à l'aise. Hier, j'ai le monsieur qui me l'a vendu, qui m'a envoyé un petit message, un petit SMS pour voir si tout se passait bien, les nuits et tout ça. Alors, je dis oui parce qu'elle me réveille quand elle doit faire pipi. Donc, voilà. Mais cette nuit, elle ne m'a pas réveillée. Elle a fait toute sa nuit. Bon, même ça, elle a joué pendant une heure avec monsieur hier soir dans le canapé. Donc, je pense qu'elle était bien, bien, bien épuisée. Et du coup, elle a fait toute sa nuit. Je suis montée à quoi, minuit. Et je me suis réveillée à 5h30. C'est même pas elle qui m'a réveillée, en fait. Je me suis réveillée de moi-même. Il y a juste à un moment où je me suis réveillée en sursaut à 1h30 au matin parce que le gros est descendu d'un coup comme une flèche. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a dû y avoir un bruit dehors. Aïe! Il me fout des coups de boule dans la jambe. Et j'ai cru que c'était elle qui tombait dans l'escalier. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle est enfermée dans la chambre. Donc elle ne pouvait pas sortir de la chambre et tomber dans l'escalier. C'était impossible. Mais voilà, à mon avis, j'étais dans mon sommeil qui m'a fait croire que. Et je dois tourner la vidéo des perruques juste après. Il faudrait qu'elle dorme, parce que là, elle va me bouffer mes perruques sinon. Elle est impossible. En ce moment, elle est impossible. Là, depuis hier, elle est déchaînée. Je pense que là. Elle joue avec une pantoufle.
Bon, je vous reprends en bas. Tout à l'heure, quand le facteur sera passé, moi je vais acheter de filmer. J'allais me refaire un café déjà, me fumer une clope, en espérant que d'ici là, elle soit calme, pour que je puisse tourner ma vidéo tranquille. Ah, c'est pas gagné. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous montre rapidement le fond, avec toujours autant de bordel. Donc là, j'ai mis ça comme ça, parce que c'est pas vraiment les étagères à thème, puisque c'est un peu ce que je regroupe, pour pas mettre ailleurs. Ici, j'ai rien changé de particulier, c'est toujours les licornes avec le petit baume à lèvres, la couronne. J'ai juste mis le petit bonnet de Noël, enfin d'hiver, avec un flocon. Ici, j'ai mis le Bambi comme ça que Marise m'a offert. Encore un flocon et le Bambi transparent. Et ici en dessous, j'ai mis une des petites poupées que j'ai fait, le petit truc de Laurie et le truc que Laurie, elle a fait aussi. En dessous, j'ai mis les autres poupées, mais vous ne les voyez pas beaucoup. Là, j'ai laissé ma coupe et ici, j'ai remis ma lanterne. Alors, ici au-dessus, toujours rien de changé. Ici, j'ai juste mis ben, les deux Bambis, ma couronne, et les deux Bambis que m'a offert Laurie avec la petite boule à neige, avec le petit ange. On ne le voit pas énormément dans le décor, mais au moins, elle est là. Flocon. J'ai remis ma lune, le petit gnome que m'a offert Amy, les petites souris que m'a offert Manon. C'est un roi et une reine. Voilà. Et ici en dessous, j'ai laissé mes Bambis avec juste un petit bonnet et je me suis amusée à coller des gros flocons pailletés comme ça. Voilà. Et voilà pour le petit fond d'hiver. Je trouve que c'est joli. Et puis, à moins que les petits Bambis Bordeaux, là, ça ressort un peu du décor. C'est chouette. Voilà. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 11h23. Le facteur est toujours pas passé. Donc, écoutez, je vais clôturer le vlog là parce qu'en plus, j'ai plus de batterie. Il faut que je recharge. Je vous montrerai les piercings du coup ben, dans le prochain. Là, je vais monter mon vlog. Après, je mange et je vais me coucher. Je vais d'abord faire jouer la miss pour qu'elle soit bien reposée. J'ai trouvé le truc pour filmer sans qu'elle m'emmerde. Je la laisse en bas tant qu'elle dort et je mets un de mes vlogs. Et du moment qu'elle m'entend parler, bah du coup, elle n'a pas pleuré. Voilà, j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir filmer au calme. Ça marchera peut-être pas à chaque fois, mais du coup, je ferai ça demain aussi pour le réveillon, pour pas qu'elle pleure pendant qu'on n'est pas là. Donc avant que ça coupe, moi je vous souhaite du coup une bonne année puisque vous avez déjà passé votre réveillon. J'espère qu'il a été bon. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. L'argent, la santé, l'amour, tout ce qu'il vous faut. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Là, ça y est, elle est en train de péter son câble. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous serez encore là avec moi en 2023 et de plus en plus nombreux également. Voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures parce que je crois que je vous l'ai assez souhaité et que vous allez voir que dans les vidéos qui viennent, je vous le souhaite encore. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout s'est bien passé. J'espère que moi ça va bien se passer aussi, hein, parce que je ne supporterai pas un nouvel an comme j'ai eu un Noël. Voilà. Ça y est, je joue avec un carton. Et donc on se retrouve la semaine prochaine en vlog et avec les vidéos habituelles. Je vous ai déjà donné le planning. Donc je n'ai plus qu'à vous dire ben déjà de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite. Donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.